Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente 7 bénéfices, 7 vrais avantages d'apprendre à vivre en dessous de ses moyens. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Frugalisme. C'est la chaîne de ceux qui sont décidés à ne plus échanger leur temps de vie contre de l'argent. C'est la chaîne de ceux qui veulent prendre leur retraite anticipée le plus vite possible et idéalement à 40 ans. Pour ça, c'est très simple. Il faut apprendre à faire des économies, à faire des investissements. Et quand ces investissements viennent à égaler ton besoin d'argent, alors tu es libre de ne plus avoir besoin d'aller travailler ou peut-être aller travailler un peu moins ou peut-être travailler à temps partiel ou peut-être lever le pied et mettre la priorité sur l'expérience plutôt que sur la possession. Et c'est tout le sens de la vidéo que je souhaitais faire aujourd'hui. Je profite de cette vidéo pour te faire une annonce importante. Mon service de coaching privé en one-to-one par Skype est désormais disponible. Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de proposer ce coaching, elles sont les suivantes. La première, c'est que vous avez été nombreux à me demander de proposer ce type de service parce que vous avez le sentiment que ce serait quand même vachement plus sympa si vous aviez une personne un peu plus expérimentée qui peut t'aider dans ton processus, qui peut t'aider à avancer sur le chemin de l'indépendance financière. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, quand on cherche à s'engager dans cette démarche-là, quand tu vas sur internet, tu as plein d'infos, ça part dans tous les sens. Tu as des infos qui sont datées, périmées, qui vont dans des sens contradictoires et tu sais pas par rapport à toi, ton profil et ta situation personnelle, par où il faudrait commencer, par où il faudrait commencer à attaquer le truc si tu veux. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, moi j'aurais personnellement gagné énormément de temps et ça m'aurait quand même évité pas mal de conneries si j'avais eu dans mon entourage une personne qui m'avait dit peut-être un petit peu par où il faudrait que j'arrive à commencer compte tenu non seulement de mon profil mais également de ma situation personnelle. Voilà, c'est tout ce que je propose dans ces services de coaching personnel. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vivre en dessous de ses moyens, ça ne veut pas dire être radin, ça ne veut pas dire se serrer la vis et ça veut encore moins dire se priver. Parce que si tu es dans ce truc-là de te dire « ah bah non, faut que je fasse attention à ceci, à cela, parce que machin et tout », eh ben tu vas souffrir. La vie est courte, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, en tout cas pas moi. Hein, après toi tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai pas envie de souffrir. Bon, une fois que ça c'est dit, il faut comprendre que toi et moi et nous en tant que frugalistes, notre objectif c'est vraiment de mettre la priorité sur les expériences, sur les petits moments, les petits instants de vie qu'il faut savoir attraper, croquer pour les garder en mémoire et les savourer pendant longtemps. Alors que le dernier téléphone, le dernier machin, la dernière bagnole, et ben tout ça, tu sais, ce sera très très vite périmé. Et le goût que ça laissera en fin de compte dans ta mémoire, et ben tu sais très bien qu'il finira par passer très vite. Alors, le premier avantage à apprendre à vivre en dessous de tes moyens, c'est que tu vas en quelque sorte être en capacité de te constituer une épargne de sécurité. Et ça, pour moi, je pense que c'est vraiment un des trucs les plus importants. La sécurité, ça n'a pas de prix. Si tu n'as pas des sous de côté en cas de pépin dans la vie, et ben à ce moment-là, tu risques de te retrouver en situation de danger si tu as vraiment une galère qui te tombe dessus. Et tu le sais, en général, malheureusement, les emmerdes, quand ils viennent, c'est souvent en escadrille. Donc, il faut prévoir et avoir suffisamment d'argent pour anticiper ces problèmes-là. Vivre en dessous de tes moyens, ça va t'autoriser, ça va te permettre d'arriver à épargner et en quelque sorte à te mettre en sécurité dans cette optique. Le deuxième point vraiment intéressant quand tu apprends à vivre en dessous de tes moyens, c'est que tu gagnes en sérénité. En fait, tu es vachement plus cool parce que tu as beaucoup moins cette épée de Damoclès, cette menace derrière la tête qui te dit attention, faut surtout pas que tu perdes ton boulot parce que sinon tu vas être dans la galère, ça va être horrible et tout machin. Alors que bon, là tu sais que si tu as un pépin, c'est pas cool si tu perds ton taf, mais bon, au moins tu as peut-être le temps de te retourner. Si la bagnole demain matin elle brûle et qu'il faut la changer machin en urgence, t'as un petit peu de sous de côté, tu peux te retourner. Si ça va plus avec ta femme ou ton ami ou ton conjoint et que tu dois ben en quelque sorte quitter le foyer et te retrouver avec un plan B, eh ben tu peux parce que t'as aussi une solution de secours, t'as un petit peu de sous de côté. C'est ça l'intérêt, c'est ça le gain de sérénité à arriver à vivre en dessous de tes moyens. Si tu arrives à épargner, si tu arrives à avancer comme ça sur le chemin de l'indépendance, le troisième gros avantage, c'est que tu vas être en capacité de commencer à te
constituer un apport si tu souhaites par exemple faire un investissement ou un achat immobilier. Tu le sais, aujourd'hui particulièrement, ça va être compliqué d'arriver à faire des emprunts à 110% auprès des banques. En général, elles vont te demander d'injecter le montant des frais de notaire plus les frais de dossier. Donc mettons que tu veuilles faire un investissement à 100 000 euros, et ben ils vont te demander peut-être quelque chose entre 11 000 et 12 000, 13 000 euros, tu vois, dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Donc si tu as déjà cette épargne de sécurité qui est constituée et que en plus de ça, tu as de l'épargne que tu as réussi à te constituer aussi parce que tu arrives à vivre en dessous de tes moyens, et ben forcément, tu vas arriver très simplement, très facilement à pouvoir acheter un investissement immobilier qui sera, je te le souhaite, rentable. Le quatrième point, c'est que quand on vit en dessous de ses moyens, eh ben on arrive beaucoup plus facilement à anticiper l'avenir. Ben oui, parce que là aussi, tu peux arriver à plus facilement budgéter pour savoir là où il va falloir mettre ta priorité et anticiper les problèmes futurs qui pourraient arriver, puisque ben, tu n'es pas complètement pris à la gorge par ce besoin urgent d'argent. Le cinquième point, et à mon avis, celui-là, c'est vraiment un des plus importants, c'est que tu vas naturellement, sans contrainte, sans effort particulier, tu vas arriver à réduire ta dépendance à la société de consommation. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que tu vas très simplement gagner en liberté parce que tu vas te défaire de tous ces faux besoins qu'on t'a mis dans le crâne. On va te dire, ah bah oui, il te faut le dernier truc pour être heureux, il te faut le dernier machin. Et puis, si tu es tout le temps dans ce process de vouloir posséder et que ça te procure un plaisir tel qu'il t'en faut toujours plus, eh ben méfie-toi parce que tu vas te retrouver dans une situation de grande dépendance à l'argent. Et ben voilà, et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu es dans la rate en fin de compte, t'es dans ce qu'on appelle la course des rats, dans la course de ceux qui se définissent par leur possession et qui croient que acheter toujours plus va leur permettre d'aller toujours mieux. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'au fond de toi, tu as une espèce de grand vide existentiel. Voilà, essaye de faire le point là-dessus. Vivre en dessous de ses moyens, c'est une manière d'arriver à se défaire de tout ça. Ce sixième point, je pense que pour moi, c'est celui qui est capital. C'est qu'en apprenant à vivre en dessous de tes moyens, eh ben, tu vas réduire de manière naturelle ton impact sur l'environnement puisque tu vas acheter beaucoup moins de produits manufacturés, tu seras moins dans le consumérisme et donc tu vas être beaucoup moins dans la production de déchets. C'est quelque chose qui est fondamental parce que tu le sais, notre planète, elle est arrivée, franchement, je pense, en bout de course. On faut voir vraiment la pauvre ce qu'on lui fait subir. Et puis, ben voilà, moi, je pense que si chacun, à notre petit niveau, à notre échelle, on peut arriver à faire notre part, en quelque sorte, en étant plus dans l'expérience, encore une fois, ces petits moments de vie que parfois, oui, je vais pas hésiter à m'acheter plus que dans la possession, et ben à ce moment-là, oui, c'est quelque chose qui est positif, positif tout à la fois pour ton porte-monnaie et également pour ton environnement. Et ça, ben voilà, c'est un cercle vertueux si tu préfères. Enfin, le septième point à apprendre à vivre en dessous de tes moyens, c'est que tu vas naturellement revenir à une certaine forme d'authenticité, une certaine forme de simplicité, aller à l'essentiel, gagner du temps, se défaire en quelque sorte de tout ce bruit, de tout ce qui est superflu pour aller vraiment à ce qui est important, la vie, les gens, l'expérience. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un énorme pouce. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Je te rappelle que mon service de coaching personnel en one-to-one est désormais disponible. Les liens sont dans la description de la vidéo. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Et c'est complètement gratuit. Pour cela, il te suffit de te rendre sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Merci, salut, ciao.